Et yo tout le monde, c'est Mathéo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dead by Daylight où je vais jouer Ghostface. Bon, niveau compétences, personne n'échappe à la mort, vous connaissez. Je vous écoute, si jamais il y en a un qui essaye de me loop avec ses palettes, je verrai son aura et je pourrais tenter de le brain. Surcharge, meilleur que ruine puisque là, même si je dois l'endommager. Une fois endommagé, le générateur, le prochain qui doit interagir avec, peu importe qui c'est, il se tapera un test d'habilité vraiment ultra dur. Et s'il le rate, il me révélera sa position et perdra 5% de progression supplémentaire. Et mangeur d'espoir, vous connaissez, 2 jetons plus 5% à l'effet de statue rapidité. 3 jetons à découvert, donc après, avec 3 jetons, vous avez un personne n'échappe à la mort en plein milieu de la game, tout va bien. Et 5 jetons, je peux memento les survivants de mes propres mains. Donc j'ai mis une map pour aller à l'Institut de mémoire de Lairie. C'est une map où il y a beaucoup de murs, donc beaucoup d'endroits où me camoufler. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où les survivants peuvent se planquer. Donc si jamais je dois jouer, là ce sera vraiment... Il faudra que je prie pour que les survivants soient assez désordonnés. Et également, il faudra également que je fasse en sorte de frapper de manière millimétrée. Et si jamais ils me crament... Ok, je vais pas tenter de me lancer dans une poursuite à tort et à cœur. C'est si jamais ils me crament avant que j'aille pu les mettre à découvert, voilà, je sabote le générateur et puis basta. Je sabote le générateur, je repars, je tente de les repérer et de les mettre à découvert. Bon, sinon au niveau objets qui peuvent aider mon pouvoir, rien de bien particulier. Juste un truc qui me fait recharger mon linceul nocturne plus rapido si jamais il y a un gars qui réussit à me repérer. Et, un appareil photo qui me permet, l'objet c'est un appareil photo littéralement, ça me permet de marquer plus rapido c'est un survivant, comme ça au moins je limite mes chances de me faire cramer. Si jamais je me fais cramer, je pourrais recharger mon linceul nocturne relativement vite. Pitié, pas des survivants cancer à me faire piou-piou à chaque fois avec leur lampe de torche à la noix. C'est une raison pour laquelle c'est dommage de ne pas avoir toutes les compétences, de ne pas pouvoir utiliser plus de compétences avec un tueur. Parce qu'un tueur avec 4 compétences, ouais, mais les survivants, ils ont un total de 12 compétences dans leur équipe. Donc on devrait au moins monter ça à 6. Histoire au moins, pour ma part, moi, si on pouvait monter les compétences de tueur à 6, je rajouterais à mon Ghostface le cran dément et la discorde. Juste pour exemple. Ou le sort de la harpie qui rend aveugle, je sais plus. Par aveugle, j'entends que vous pouvez plus voir les auras de vos coéquipiers. Et que si par exemple vous frappez 3 survivants, bon, déjà si vous frappez. Les survivants que vous avez frappés ne pourront pas voir l'aura du gars qui est au crochet. Donc si jamais ils n'ont pas repéré sur quel crochet est-ce qu'il était, eh ben vous êtes sûr que le gars jamais ne se fera choper. Jamais le gars ne se fera sauver en fait. Sauf si jamais il a de la chance. Moi, allez, hop, je vais déjà me mettre indétectable. J'ai repéré mon mangeur d'espoir. Il est pas trop à côté de générateur. Personne ici? Bien. Ouais, quand je suis dans les zones confinées, je peux essayer de me mettre debout pour gagner du temps. En plus, il est dans un coin de la map. Hop. Attends, là, n'est même pas encore activé. Les générateurs sont assez durs à atteindre, hein, honnêtement, sur cette map. La chance. Je m'en fous, je l'ai marqué. Oh, ok, qu'est-ce que c'était que ça? Vu comment le gars m'a teabag, ça pue le... Ok, ça pue rien du tout, bro. Hop, déjà, tu vas me faire le plaisir de te ramener et je vais me tailler de cette palette avant que je me la prenne sur la gueule. Il y a mon sort de mangeur d'espoir, c'est bon, il est pas dans ce coin là. Par contre, il y a un autre joueur qui m'a cramé, donc je peux m'attendre à ce qu'il soit parti faire le générateur. Ou à défaut qu'il soit parti dans la direction opposée. Pas en train de faire le générateur, je vais pas aller plus loin histoire d'éviter d'éveiller les soupçons. Hop. Au pire, je vais tenter de trouver les autres. Ok. C'était tellement inattendu que le gars me sorte sous le pif comme ça. Après, je dis pas non, hein. Le gars m'a permis de me marquer un petit peu. Je crois même pas qu'il sache que je l'ai vu, en fait. Je crois même pas qu'il m'ait repéré. Ok, là, par contre, il y a du monde qui est parti par là. Fait deux générateurs et j'ai pas vu. Par là, mince. Ok, un jeton. Ça, c'est parfait. Je dis pas non. Alors, ça fait deux générateurs, plus la Meg, plus l'autre. Donc là, les quatre joueurs, j'ai à peu près leur position.
Tout du moins, j'avais à peu près leur position là. C'est probablement la mec qui allait sauver le gars. Ok, je sais où est la cave, c'est pas plus mal. Le crochet était par là-bas, donc là, je vais essayer de trouver les survivants près des générateurs. Ou même sur des générateurs, voir si je peux les choper directement si jamais j'ai du pot. Et j'appuie bien sur le si jamais j'ai du pot. Crois que le gars m'a même pas repéré en fait. En fait, je crois que si m'a totalement grillé. Bonjour. Ok, par contre, il m'a révélé, ça, je suis moyen pour. Mais t'es sérieux, trou du fion? Bon, hop. Je vais éviter les emmerdes, par contre, parce que à chaque fois que j'oublie, ça me. Oh, j'ai pas eu le temps de reculer, j'ai le seum. T'as signé ton arrêt de mort! Putain, ils sont en train de faire tous les générateurs d'un coup. What the fuck? Si vous insistez à crever plus vite. Wow, ce gars bug. D'où je t'ai pas touché? Wow! Ok, soit ce gars glitch, soit ce gars bug comme un gros malade mental. Honnêtement, je miserais plus sur les bugs, même si honnêtement, voilà quoi. Ce serait pas la première fois que je me croise un cheater. Hachette mitrailleuse de la chasseuse. Si je nomme ça comme ça, honnêtement, si vous êtes déjà pris le bug, vous voyez très vite pourquoi est-ce que j'appelle ce truc ainsi. Pourquoi s'être planqué dans un casier? Le pire, c'est que j'ai même pas repéré d'où venait le bruit. Ah, si, de là. Elle est presque à découvert. Si jamais je réussis à la rechoper, elle est cuite. Et j'appuie bien sur le si jamais. Par contre, je serai elle, j'éviterai de me révéler. Parce que du coup, avec. Putain, bande de connards! Oh! Purée, j'ai tapé dans la palette et je me la suis repris dans la gueule! Eh ben, yes, bah, super! Voilà! On dit que les autistes Asperger sont supposés être intelligents. Là, littéralement, je pense que vous. Je pense que vraiment ce play pouvait être vraiment plus intelligent, honnêtement. Moi, c'est vraiment pas le meilleur truc que j'avais pu faire. Par contre, ils sont en train de faire les générateurs. Je vais me dépêcher d'aller régler ce petit problème. Allez, hop, de nouveau indétectable. Il s'est barré vers le générateur qui est là-bas. Ah, c'est plutôt un bon spot pour moi. Parce que je suis. Surprise, motherfucker! Coucou! Je t'ai manqué? Qui est-ce qui m'a révélé? Ah, c'est ce gars, ok. Ok, ce gars, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait une action précipitée. Mais il est en train de venir vers moi. Eh, en vrai, vu comment il venait vers le gars, il y a peut-être moyen que je réussisse à le buter sur le coup. Arrête de dire que je campe, c'est pas mon genre, c'est juste que là j'étais en train de saboter ton générateur à la con. Marque des rafleurs par ici. Par contre, je suis trop proche du truc là, je. Pas intéressé. Mais ils vont pas aller aider l'autre? Ah bah merci! Bon allez, aide deux jetons. Voilà, déjà ça c'est fait. Et l'autre. Je vais faire croire que je sabote le truc et que je vais tenter de choper l'autre. Oh, tu veux que je vienne? Oh, d'accord, ok. J'ai compris le big deal. Ok, bon, je fais juste pour que ce gars ait pas coup décisif. Est-ce que je vais me le prendre? Non, pas visiblement. Je vais pas me plaindre. Honnêtement, je vais pas me plaindre. Hop, voilà mon troisième jeton. Arrêtez avec ce générateur de vos grands morts! Putain, mais ce gars est toujours à découvert, mais c'est un suicidaire! Reviens ici, je te dis, reviens! Juste à temps! Oh, je l'ai tué à la frame perfecte, là. Un peu plus et son à découvert se volatiliser. Eh ben voilà, monsieur! Maintenant, tu sais ce qui se passe quand on joue au con! Et deux, trois jetons. En plus, là, ça y est, ils sont tous à découvert. Voilà le quatrième jeton, si jamais. Mais là, ils sont tous à découvert. Tant qu'ils me pètent pas mon totem, je suis tranquille. Mauvaise idée! Par contre, ils sont en train de faire tous les générateurs en même temps. Là, c'est un petit peu dur.
En vrai, j'ai surcharge, donc je m'en fiche. En plus, à ce point de la game, là, je peux... Je suis vraiment assez tranquille au point de pouvoir prendre mon temps si jamais. Et de 4 jetons. Si jamais ils font l'erreur de me redonner un jeton, ils sont foutus. Déjà que là, leur sort est pas particulièrement enviable. Encore toi, vas-y, drop. Et voilà, problème réglé. Au moins, il arrêtera de me casser les couilles. Je sais plus s'il est en 2 ou en 3. Bon, allez, est-ce que là je vais me prendre le decisive strike? Bon, si je me le suis pas pris la première fois. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Si je me prends pas la première fois, je me le prendrai pas non plus la deuxième. Par contre, il y a un gars qui est dehors. Ok, il était en 3. Y a un gars qui s'est planqué quelque part par ici. Bingo! Et merde, pour s'effréner. Par contre, ils sont deux, j'ai peut-être moyen de. Yes! Voilà mon cinquième jeton, les gars. Enfin, si je retrouve le corps, le voilà. Par contre, j'ai l'effet de rapidité. Hop. Je vais voir si je peux essayer de l'accrocher là-bas. En vrai, je vais pas vous mytho, ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'atteins le truc à temps. Hop. Le crochet, le cinquième jeton. Et je vous préviens que les prochains, ils vont peu apprécier le moment. Donc là, si jamais ils le décrochent, j'ai plus à me soucier du decisive strike tant qu'il me péta pas mon sort. Tant que mon sort se fait pas détruire, j'ai plus à vraiment me soucier des decisive strikes. Ils ont juste à libérer le gars et en fait, j'ai juste à les take down et en fait, juste à terminer le travail puisque je peux les memento maintenant. En plus, le Memento Ghostface, je suis pas sûr que vous l'ayez déjà vu en ma présence, donc je vais me faire un plaisir de vous le montrer sur les trois derniers survivants. Si jamais le gars se fait décrocher. En vrai, là, je pense qu'ils ont ils ont le flip de tenter de le décrocher pour éviter de. Ils doivent avoir compté le nombre de jetons que j'ai. En fait, j'ai juste besoin qu'il le libère. Voilà. Et de 5 jetons. Oh, messieurs, qu'est-ce que vous êtes morts. En plus, il y a beaucoup de marques d'éraflure ici, suggérant qu'il y a eu beaucoup de passages. Il y a eu beaucoup de passages aux alentours, effectivement. Ouais, le gars est venu d'ici, il l'a récupéré, il l'a décroché, il a taillé sa route. Ils savent qu'ils sont à découvert et ils n'ont aucune idée de où est mon totem. Et il est au bord de map, qu'est-ce qu'ils veulent essayer de le trouver là? Oh, je traque un gars qui est blessé, mais je suis pas sûr que lui sache que je le suis. En vrai, ce serait probable qu'il aille deviner que je le suis. Voilà, c'est plus que probable vu comment je viens de me gourer. Ouais, je le vois là-bas. Attends, il peut me révéler d'aussi loin? C'est une blague? Oh, blague ou pas, je me charge. Comme c'est gentil de m'avoir montré ton aura. Hop. En fait, je crois que elle aussi voit mon aura. Elle doit avoir objet d'obsession ou quelque chose dans le genre. Non, ils m'ont pété à mon sort! Oh, ils l'ont trouvé au dernier moment, je peux plus le tuer, mince! Oh, c'est pas grave, hein. Oh, c'est pas grave, je vais pas me plaindre, je les ai quand même foutus dans une sale position. Et du coup, ça fait que je leur ai éliminé deux coéquipiers. Ils ont deux générateurs à faire avec deux coéquipiers en moins. Ils sont condamnés. J'ai un peu le seum qui m'avait pété mon totem. J'aurais voulu vous montrer le memento. Je leur ai engagé le totem, se serait fait péter au moment où j'avais engagé le memento. Vous auriez été tranquille. J'aurais été tranquille. Putain, j'ai tellement de miss. Mais what the fuck? Mais ce gars, soit il glitch, soit il bug, hein, parce que là. Ouais, mais pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont tous. Pourquoi est-ce que j'ai comme le pressentiment qu'ils sont tous en mesure de me voir? C'est abusé. C'est bon, t'as fini là avec tes fenêtres, le casse-couille? Tiens, mange. Un peu le seum qu'il a eu le temps de se soigner avant que je lui tombe dessus, mais bon. Enfin, je vais pas cracher dessus, ça lui fait un coup de poignard en plus à le mettre. Pas cracher dessus, ça me fait des points de brutalité supplémentaires. Ramène-toi, tu sais que t'as perdu cette poursuite. Vas-y, vas-y, drop. Hop. Wouah, son dédard a mis tellement de temps à se lancer. Yes! Maintenant, t'es cuit, mon pote. T'es cuit. Je vais quand même juste péter cette palette, juste pour être sûr. Hop. De toute façon, j'ai soif de sang, je peux le suivre.
Comment ça, j'ai plus soif de sang, wesh? De mieux en mieux, en plus, je crois que je l'ai paumé. Oh! S'il drop toutes les palettes, c'est juste génial pour moi, parce que du coup, ça fait que lorsque les portes seront fermées, ils pourront plus en poser, puisque je les aurai déjà toutes pétées. Comme je sais déjà où est une des portes de sortie. Par contre, le gars, ses traces d'érafleur se sont juste arrêtées brusquement. Bon, il en reste deux générateurs. Je pense qu'il est plus que grand temps d'aller faire un petit coucou au générateur. Bah voilà. Bah, il m'a retenu assez longtemps pour qu'il puisse finir ce générateur-là. Bon, enfin. Bro, tu croyais vraiment que je t'avais pas vu? Ok, croire que je t'ai pas vu, c'est une chose. Penser que je suis assez con pour tomber dans ce piège, c'est une autre. Une autre. Tu sais que je suis intelligent depuis le début de ce game. Tu sais que je réfléchis avant de faire un play. Sauf les fois où je me suis pris la palette. On pré-drop une palette, c'est pas vraiment le meilleur truc à faire. Hop. En plus, là, je suis en train de réduire grave la distance. Putain. Cette fenêtre va être celle qui va me causer le plus de problèmes, je sens. Excusez-moi, quand moi je tape dans le truc, ça marche pas 50% du temps, mais alors quand les autres me tapent dans ce genre de truc, eux ça marche à 24, donc ouais les gars, faudrait peut-être songer à synchroniser vos jeux, parce que là ça devient vraiment vite chiant. Voilà. Kenny Fusion. Tu t'es pris pour Végéto ou Gogeta, ou ça se passe comment? Honnêtement, je m'en fous. Pas comme si j'avais quelque chose à cirer de pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pseudo. Moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est de les foutre au crochet et de les buter. Allez, hop, fais de beaux rêves. C'est le seul que j'ai pas chopé une fois en plus. Bon, allez, go les générateurs, il en reste 3. Ça va être assez facile de deviner lesquels sont en train d'être travaillés et les autres pas. Celui qui est là-bas, je l'ai pas vu en train de faire de tourner pendant que j'étais en train de poursuivre ce gars. Allez, hop, la destruction. Celui-là, c'est pas mieux, il est absolument pas en train d'être utilisé. Les deux survivants sont réunis au même endroit. Ça risque de leur causer leur perte. Okay, ils sont partis dans deux directions différentes. Excellent réflexe contre un Ghostface. Moins bon réflexe de regarder dans la direction de Ghostface, par exemple. Est-ce que je vais me prendre le coup décisif? 100% là, je me le prends. Ah non. Pardon, est-ce que je peux passer? Voilà. Bon, alors, où est l'autre hein? Le générateur a été commencé il y a peu de temps. Il a été annulé aussitôt, peut-être parce qu'il avait vu que j'avais accroché son copain. Hein? Ouais. En vrai, je commence à avoir de bonnes capacités de pistage avec le temps où je fais ça depuis... Ok, ils sont partis par là. Hop. Voilà, ils prennent pas la palette apparemment. What the fuck? Il y en a vraiment un qui a ouvert la putain de trappe. Ah, c'est pas vrai! Ce gars-là, lui, est passé juste à côté. Par contre, hop, il y a grave moyen que je puisse le buter. Avec le sort personne, l'échappe à la mort en plus. Putain, ça, par contre, c'est le genre de truc qui me fout le seum. Yellow Loli, il faudra que je regarde, parce que normalement, dans le dernier patch, ils ont indiqué que les clés n'étaient plus trouvables. Hop, bon, je vais check cette porte et j'irai check l'autre après. Les clés sont plus trouvables dans les coffres, donc s'il a pas amené de clés... On appelle ça de la triche. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas, si je dis ça, Yellow Loli, c'est... Bon, j'aurais plutôt utilisé le terme glitch, mais bon. Parce que en fait, c'est celui qui buguait le Yellow machin, je crois. Je crois que c'était lui qui était en train de bugger sa grand-mère. Par contre, le totem est juste à côté d'une porte de sortie. Et il n'est pas là. Je soupçonne de m'avoir brain et qu'il soit à la porte de là-bas. Honnêtement, j'en ai chopé deux, c'était une bonne game. J'ai un peu le seum de pas avoir pu vous montrer le memento, mais bon. Voilà, si j'en tue que deux sur quatre, voilà, je vais pas me plaindre non plus.
plus. Par contre, si je peux tuer les 3 sur 4, ce serait vraiment appréciable. What? Cette porte n'est même pas entre. Mais il est con, il est en train de... il est vraiment en train de se heal. Eh ouais, mon pote. Bon, allez, je vais être humble, je vais t'accorder la fin que tu mérites. Tu vas mourir sur un crochet plutôt que de te faire déglinguer par l'entité. Vraiment, le gars a vraiment choisi son pire moment pour se soigner. Bon, bah voilà, hein, plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Bref, ouais, sur ce, c'est... ouais, non, en fait, oubliez ce que je viens de dire, c'est pas encore la fin de la vidéo, je vais juste check ce qu'avait comme compétence le yellow machin. Si jamais il avait pas de clé, ok, ça va partir pour un petit signalement, parce que dans le patch, ça avait indiqué, en anglais, ça avait indiqué 4 trucs en une game. Mais putain, mais je suis chaud. Allez, hop, par ici, les points de sang. Ils ont indiqué en anglais que les clés étaient plus trouvables. Et ouais, aucun d'entre eux n'avait de clé, surtout pas ce gars-là. Par contre, il avait par tous les moyens, donc il pouvait réinitialiser les palettes. Ouais, donc c'est bel et bien le gars qui glitchait. Allez, hop. Et vous voulez savoir comment est-ce que je l'ai reconnu? C'est le seul à avoir des dardes. Et vu comment sont des dardes à bug, je le soupçonne de vraiment... voilà, quoi. Bon, sinon, GG aux autres. Surtout Kenny Fusion, au rang 8 quand même, je suis rang 15. Donc voilà, quoi, ouais. Donc du coup, bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un maximum de pouces bleus. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus. Et si vous vous abonnez pas, vous aurez l'occasion de dire bonjour à Ghostface en gros plan. À plus.